Bonjour les traders. Alors aujourd'hui je vais répondre à Aurore. J'ai enlevé son nom de famille, j'ai enlevé sa profession. J'ai déjà dû supprimer une vidéo parce que il y a une personne qui m'a écrit que voilà, envoyer son nom de famille, envoyer son mail et ça lui plaisait pas. Comme je sais pas brouiller, donc j'ai tout supprimé la vidéo. Vous en êtes peut-être rendu compte. Alors, bonjour Philippe, je m'appelle Aurore. Ouais, ça, si quelqu'un sait me dire comment on fait pour justement pour faire du brouillage, ça m'intéresserait. Alors, je m'appelle Aurore, j'ai 44 ans, je suis tac-tac-tac à Gand en Belgique. Pour compléter, oui, mes revenus, je me suis lancé dans le trading en achetant le pack News, RDM et LDM. Pour moi, c'est les meilleurs, de Cédric Froment, à 1088 euros. Hein, vous lisez bien, 1088 euros. Et en plus, donc si elle a acheté les trois packs, en plus, elle a dû avoir un prix, au moins 30% de remise. J'aimerais bien avoir aussi entré au bon moment, sortir au bon moment, voilà. Mais je n'ai plus de sous. Je vis seul avec mes deux enfants. Alors, vous rendez compte. Elle a acheté ses trois meilleures méthodes. Et avec ça, elle sait même pas comment on fait pour rentrer ni sortir. Eh ben, Cédric Froment, il n'apprend pas grand-chose. Vous voyez bien. Vous allez... Alors, bon, je suis l'homme aux 22 méthodes. Vous avez peut-être celle-ci. Eh ben oui, hélas. Auriez-vous l'amabilité d'échanger ces méthodes avec moi contre mon pack? Si malheureusement, vous possédez déjà News, RDM et LDM, je suis foutu. Je n'ai rien d'autre. À part peut-être ma recette à la carbonade flamande, la meilleure du monde, selon mes collègues. Merci de votre réponse, bien cordialement, Aurore. Alors, c'est incroyable. Elle a acheté trois méthodes de Cédric Froment à 1088 euros, qu'elle reconnaît que ça lui sert à rien, et elle veut encore acheter des méthodes de Cédric Froment. Non, mais faut arrêter d'être con, quoi. Ça fait, vous avez pas vu mes vidéos, ça fait 20 vidéos que je vous dis que vous allez acheter les 22 méthodes de Cédric Froment et vous n'en saurez pas plus, merde. Il faut que je vous le dise dans quelle langue, hein. Moi je vous recommande la méthode de Ben pour moins cher que ça. Avec la méthode de Ben, il vous apprend tout. Comment entrer, comment sortir, comment choisir son courtier, comment tout. Et puis Julien Flo, c'est la même chose. Eux, ils ont une méthode. Ils ont un screener. Ça sert à rien d'avoir 50 screeners. 50 screeners qui... Hein, attendez. Ah, oh, ça m'énerve quand je vois ça. Je sais plus. Hein, Cédric Froment, bah, si elle a toutes ses méthodes et... Ah, c'est bien la preuve que ces méthodes, ça vaut rien. Hein, ça fonctionne pas. Leader de marché, là, bon, bah, on me dit, ah ben ouais, mais c'est facile, tu passes une seconde par vidéo, une seconde, et tu sais ce qu'il faut acheter. Non, mais faut arrêter d'être con, quoi. Hein. Et c'est, hein. Ah, budget télécom, bon, bah là, justement, moi j'ai du budget télécom. C'est tout. C'est pour ça que Cédric Froment, là, leader de marché, bon, c'est pareil. Donc là, on me dirait bien, ah ben ouais, il faut vendre, elle est au plus bas, oui, elle est au plus bas. Regardez ce qui se passe, mais elle risque de monter, elle risque de faire comme, regardez par exemple, Amoeba. Regardez, c'était la même chose. C'était exactement la même chose, vous voyez. Elle était au plus bas. Et là, hier, Amoeba a monté de 21%. Vous voyez, hein. Et bon, aujourd'hui, là, je viens de passer un ordre. Voilà, sur celle-là. Street Micro Électronique. Au-dessus du plus haut. Alors, STM, STM, S,
PM. Ah, regardez, elle est pas belle celle-là. Hein. Passage au-dessus du nuage, blom. Et ben voilà, ça monte. Vous achetez, clac, clac, clac. Et donc là, elle a un petit retracement, voilà. J'ai passé un ordre, j'ai mis un ordre au-dessus du plus haut, et puis voilà. Alors, elle veut Aurore voudrait entrer au bon moment ou sortir au bon moment. Bon, c'est l'arnaque. Bon. Alors voilà, bah, il te l'explique dans les vidéos. Voilà, t'achètes ici. T'achètes ici. On va faire un gros trait en rouge. On va faire un trait en. On va le mettre plus épais, vous voyez. Épaisseur, c'est là l'épaisseur. Bon, vous voyez. Alors, bon. Donc il faut mettre le stop ici en dessous de l'ancien plus bas. Après, quand le prix a monté, voilà, hop, le prix a monté, il fait une, comment on appelle ça, un pic. Vous montez, le problème c'est, alors, je déplace, déplacer ligne horizontale. Vous déplacez votre stop, voilà, sous l'ancien plus bas. Voilà, vous mettez votre stop là. Après, il faut patienter. Une fois que vous voyez que hop, ça fait un nouveau plus haut, vous montez votre stop sous l'ancien plus bas. Non, je ne vais pas configurer, c'est déplacé. Alors bien sûr, moi j'explique beaucoup moins bien que Cédric Froment. Hein. Voilà. Alors là, pareil, vous patientez, hop, elle fait un nouveau plus haut, hop, vous mettez votre stop sous l'ancien plus bas, vous montez, vous mettez ici, déplacez ligne horizontale, voilà. Après, donc là, il faut toujours, là ça a monté, vous voyez, mais c'est revenu au niveau, donc il faut pas bouger votre stop. Faut pas, ce serait une erreur de le monter. Faut patienter, faut vraiment attendre que le prix dépasse. Là, voilà, là il a dépassé. Donc là, vous mettez. Il faut pas mettre sous le plus bas du jour ou sous le plus bas du mois. Il faut mettre sous le plus bas de l'ancien du jour d'avant ou du mois d'avant, hein, ou de la semaine d'avant. Voilà. Donc là, c'est ici. Quand ça a dépassé ici, vous montez ici. Alors, déplacer ligne. Voilà. Après, donc là, vous attendez, hop, ça fait à nouveau un plus haut. Donc, vous pouvez le monter ici. Déplacer ligne. Voilà. Après, vous attendez, là, ça fait pas de plus haut. Ah, là, à nouveau, ça fait un plus haut. Hop, vous le mettez ici. Déplacer ligne. Voilà. Alors, là, hop, ça fait un plus haut. Bon, ben, vous pouvez le monter un tout petit peu, vous montez ici. Bon. Alors, là, vous voyez, c'est... Donc, vous restez là, hop. Il faut vraiment attendre que ça dépasse. Là, vous voyez, hop, ça fait un plus haut. Alors, à ce moment-là, hop, là, vous pouvez tout de suite le monter ici. Hop. Là, alors c'est pareil, si, là ce que je fais là en hebdo, vous pouvez le faire en semaine hebdo c'est la même chose, vous pouvez le faire en journalier, vous pouvez le faire en 2 heures, vous pouvez le faire en, par exemple, là quand elle, vous voyez, je suis en plus-value de 32% d'augmentation sur Cantel. Cantel, vous voyez, je l'ai acheté ici. Donc là.
Je l'ai acheté ici. Donc là, elle a chuté de 5%. Bon, surtout, ce que je faisais avant l'erreur, que je ne fais plus, il y a un an encore, là, elle a chuté de 5%, je l'aurais vendu bêtement. Mais il faut toujours laisser la chance au produit. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, ben, par contre, bon, normalement, dans ce que je dis, j'aurais dû le laisser là. Mais comme j'ai plus trop confiance en Cantel, et puis bon, après, c'est facile de le dire. J'ai préféré, là, j'ai regardé le plus bas. Le plus bas, c'était 4,76€. Bon, ben, j'ai mis un stop juste en dessous de mon plus bas. J'ai mis un stop à 4,74€. Vous voyez, ça, donc en fin de compte, j'ai mis un stop sous le plus bas qu'elle a fait en 2 heures. Voilà, quand vous avez, si vous surveillez une action vous mettez sous le plus bas du mois, si en hebdo, là, bon, je suis en hebdo, mais après, si vous n'avez plus confiance, bah, vous passez en 2 heures et vous mettez votre stop sous l'ancien plus bas des 2 heures, parce que ça monte par palier, ça monte, ça redescend de 50%, c'est normal, ça monte, ça redescend de 50%, c'est normal. Donc là, ça vient de redescendre de 50%, hop, j'ai mis mon stop ici, voilà, parce que ça, elle peut encore continuer à monter, hein, quand elle peut encore continuer à monter. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, on va revenir à Aurore. Donc, moi, je vous dis, je préconise, pour moi, Cédric Froment, bon, ces méthodes, elles sont comme toutes les autres méthodes. En fin de compte, on me demande de comparer les 22 méthodes. Mais il n'y a pas 22 méthodes. Il n'y a une méthode, il faut arriver à comprendre ça. Ben, c'est sûr que moi, c'est pareil, il m'a fallu 3 ans pour le comprendre, il m'a fallu que je dépense 2 fois ça pour arriver à comprendre que, ben voilà, qu'à chaque fois que j'achetais une nouvelle méthode, ben en fin de compte, je me rendais compte que c'était la même chose expliquée différemment. C'est un peu comme l'histoire de France. Vous avez un professeur d'histoire de France, vous allez changer de professeur, vous allez mieux comprendre alors qu'il vous parle de la même histoire. Et c'est ça en fin de compte. Et là le problème c'est que bah, voilà, des gens comme Ben ou des gens comme Julien Flo, Ben Le Brozec ou Julien Flo, bah, moi je les trouve dans les nombreux vendeurs de méthodes, ce sont les deux que je préfère parce que, justement, je ne sais pas s'ils ont la grossette ou pas, mais au moins, ils ne vous vendent pas à chaque fois qu'ils créent un nouveau screener, à chaque fois qu'ils améliorent leur méthode, leur screener, ils ne vous refont pas payer. Tandis que là, Cédric Froment, à chaque fois qu'il crée un nouveau screener, et une nouvelle couleur, hop, il vous refait payer. Et vous re-signez, vous êtes content. Bon, alors, Aurore, exceptionnellement, bon, moi, je te donne pas ça, non, parce que ça vaut rien. Je te le dis, je sais pas en quelle langue il faut que je te parle. Mais bon, c'est pas parce que t'es belge, hein, parce que tous les Français qui m'écrivent, ils sont tous comme toi. Hein. Ils ne voient tous que par Cédric Froment. Hein. C'est un bon vendeur. Alors, par contre, bon ben, ok, exceptionnellement, moi, tu me donnes ta recette de carbonate flamande, la meilleure du monde, et moi, je te donne ma méthode. Je te donne tout mon pack de ma méthode Momentum. Mes 4 screeners et mes 20 pages de synthèse, mes fiches de synthèse que je me suis fait. Et si tu les suis à la lettre, et ben tu seras comme moi. Et ben tu vas gagner. Regarde là depuis mes comptes. Inventaire.
Ouais, j'ai un portefeuille de 25 000 euros. Alors, mes fiscalités du compte. Tu vois, depuis le début de l'année, j'ai fait un bénéfice de 9 400 euros. Réel. Demande à Cédric Froment de te le montrer. Ton copain, là, tu en veux encore acheter des méthodes. Faut arrêter, quoi, d'être con, merde. Mon portefeuille en temps réel. Alors, bon, bah là, vous voyez que ouais, y a pas mal de choses qui chutent, hein. Bon, je suis à moins 18 euros, moins 16 euros, moins 17 euros. Alors, une que je crois beaucoup, c'est aussi Agfa-Gevaert. Agfa-Gevaert, vous voyez, elle monte petit à petit. Je suis à plus de 5%, elle est en train de monter. J'ai une plus-value de 5%. Là, j'ai toujours Engie, plus-value de 7%. Bon, toutes les autres, là j'ai Ipsen, toujours en plus-value de 39%. Bon, bah là, je suis à moins 0, moins 0, je suis même pas à moins 1%, donc voilà, je laisse la chance au produit. Voilà, donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Ah ouais, donc, ok, tu me donnes exceptionnellement ta recette de. Mais bon, je vais pas faire ça à tout le monde, hein, faut arrêter, hein. Tu me donnes ta recette de carbonate flamande et je te donne mon pack. Voilà. Et j'espère que vous aurez tous compris que ce n'est pas la méthode, ce n'est pas les méthodes que je recommande. Hein. Je ne sais pas dans quelle langue il faut que je vous le dise. Hein. Bonne journée, à bientôt, au revoir.